Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu donc dans le nom de la vidéo, de Snapchat. Ben oui, Snapchat, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir, le lien de la vidéo Snap que j'avais déjà faite, donc de la mise à jour, est dans la description, vous en faites pas. Bref, et on va reparler encore de Snapchat, mais en ce moment, Snapchat, ils envoient du lourd, c'est pas de ma faute. Bref, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, donc de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est ultra important pour que vous soyez au courant de mes dernières actualités, des dernières choses à savoir, enfin plein de choses, c'est ultra important. Mon Snap, mon Facebook, mon Insta et mon Twitter sont dans la description. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche à côté du bouton s'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Bon. Eh bien ça y est, c'est quoi Snap Map? Ben, Snap Map, c'est une nouveauté donc dans l'application Snapchat, quand vous allez pincer sur l'écran de l'appareil photo par exemple, hein, ou sur n'importe quel, si vous êtes dans votre story ou autre, depuis l'application Snapchat, vous allez pincer et vous allez atterrir sur Snap Map. Mais c'est quoi Snap Map? Eh bien c'est ça Snap Map. Vous allez pouvoir retrouver tous vos amis grâce donc à la géolocalisation que vous aurez activée et que vos amis auront activé. Comment ça marche, quelles sont les conditions et tout ça, on y arrive. Donc comme je le disais, vous allez pouvoir géolocaliser vos amis, voir les snaps donc de vos amis via cette carte magique du monde. Mais vous allez aussi vous pouvoir voir donc les snaps publics, les snaps à la une dans n'importe quel pays, partout, que vous soyez sur Paris, Grenoble, Nantes, Nîmes, n'importe où, hein, aux US, n'importe où, vous allez donc pouvoir accéder au snap public, au snap donc à la une, je sais pas, il va y avoir un concert de Justin Bieber, je dis ça parce que il y en avait un à l'heure où je tourne la vidéo. Bref, c'était un snap à la une, et ben vous pourrez voir Justin Bieber en concert sur Snap. Bref, tout ça, voilà, ça permet donc de vraiment plus se concentrer, de voir des snaps de partout au final, au lieu de rester bloqué sur les snaps de ses amis qu'on a ajoutés et que eux-mêmes nous ont ajoutés. Parce que je sais pas si vous en rendez compte, moi je m'en suis un petit peu rendu compte et c'est vrai que ça m'attristait un petit peu, enfin c'était un peu dommage. Sur Snap c'est quand même assez fermé, personne peut... J'aurais pas une biographie sur Snap, j'aurais rien du tout. Vous voyez, c'est pas comme Facebook, Twitter ou Instagram, c'est assez fermé, c'est que entre amis. Là, c'est un peu plus ouvert maintenant. C'est un petit peu comme un peu les Android d'ailleurs. Bref. Alors, une fois donc Snapchat mise à jour, parce que forcément ça passe par une mise à jour, cette nouveauté, vous allez être donc guidé sur Snap Map qui va vous demander donc votre localisation. Si vous décidez donc d'être donc localisé et donc là, soit tous vos amis peuvent voir votre localisation, soit vous pouvez sélectionner que quelques personnes. Je vous rassure, la localisation n'est pas publique. Moi-même, je l'ai... Alors des fois, alors moi quand je bouge, je la mets en mode public, la localisation, à la rigueur. Sinon quand je suis chez moi, je la mets en mode fantôme. Et là j'y arrive, il y a aussi donc un mode fantôme pour ceux qui ne veulent absolument pas être localisés. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas pour ça. Alors ensuite, trouver des amis, vous allez donc grâce à ça pouvoir voir vos amis sur Snap Map qui eux-mêmes ont fait la mise à jour et eux-mêmes en suivi donc le guide. Bien sûr faut être choisi d'être localisé ou pas, hein, sinon ça marche pas du coup. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire oui, voilà, on peut donc voir les snaps dans différentes villes. Je vais choisir Paris par exemple. Vous allez publier donc un snap à Paris. Il va falloir le publier donc dans votre story, hein, si vous le souhaitez, avec vos amis, mais dans la catégorie aussi notre story, je crois c'est... Oui, notre story. Là, tout le monde, tous vos amis, voire beaucoup plus de monde même, en fait tout le monde, dans le monde entier quoi, pourront voir donc la story qui a été mise par X personnes sur Snap à Paris. Voilà, donc moi je pourrais voir les stories qui ont été mises à Paris par exemple. Voilà. J'ai remarqué par contre bien sûr que les noms d'utilisateurs Snap n'apparaissent pas dans les snaps publics. Est-ce que c'est bien? Oui et non.
c'est pas vraiment le sujet, je pense qu'il y a du oui, il y a du non. Bref. Alors, Snap Map, c'est super, hein, ça, c'est vraiment super, mais c'est très vite, très vite addictif. Faut faire ultra attention, sinon vous passerez votre journée sur Snap Map. Moi-même, je l'ai vu un petit peu, bon, je l'ai un petit peu, je l'ai aussi beaucoup testé, on est d'accord. Avant d'en parler, j'ai voulu quand même un peu voir qu'est-ce que c'était, que je sache de quoi je vais parler dans ma vidéo, ça on est d'accord. Mais ça devient quand même très vite addictif. Moi, je vois tout à l'heure, j'étais sur la route, parce que là, je filme, il est 2h38 du matin. Je suis rentré, il y a quoi, il y a une demi-heure de ça que j'étais en route, donc j'étais pas mal sur Snap Map. Bref, parce qu'en fait, c'est un monde de réalité virtuelle, et comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, par exemple sur Apple, la réalité virtuelle arrive à grands pas là maintenant. Apple, comme je l'ai dit, veut intégrer la réalité virtuelle sur les Mac, sur les iPhone, les iPad, tout. Et donc, du coup, ça va arriver dans toutes les technologies, dans tous les smartphones du monde, dans toute la technologie, quoi. Et Snap fait pareil, et c'est là où ça devient addictif, parce que du coup c'est une nouveauté, c'est super. Je voyais tout à l'heure sur la route, vu que j'avais activé ma localisation sur Snap Map, du coup, moi j'étais dans une petite voiture, il y avait le logo d'une petite voiture et j'avançais comme ça. C'est un petit côté, comment dire, je sais pas, fun, marrant. Je voyais d'autres d'autres amis, hein, du coup, que j'ai ajouté et que j'ai leur localisation aussi. Ils avaient le logo qui dormait, par exemple, vous voyez. Donc, alors c'est bien oui et non, c'est addictif, donc c'est un autre problème, mais bon, on n'est pas trop là pour en parler non plus. Mais du coup, la vie privée, il y en aura de moins en moins avec Snap Map. Après, vous de choisir, hein, c'est pas très... Enfin, voilà. Donc, faut faire quand même très attention sur Snap Map, parce que du coup, c'est assez addictif et on peut vraiment savoir dans l'endroit vraiment très précis où vous êtes actuellement. Ensuite, dernière fonctionnalité sur Snap Map, vous allez pouvoir aussi rechercher directement des lieux, directement vos amis, et il va en même temps vous proposer, donc les villes où il y a le plus de snaps en cours, par exemple à la une, ou même carrément les snaps à la lune, les snaps à la une, les gros snaps, voilà, genre le concert de Justin Bieber, c'est un truc énorme, c'est mondial, Justin Bieber est connu, machin, tout ça, c'est à la une, il est susceptible donc de vous le présenter. Moi ça me fait penser énormément, quand vous slidez sur l'iPhone vers le bas, vous avez votre petite recherche avec, qui marche avec Siri et tout ça, et ça me fait beaucoup penser un petit peu à ça, parce que du coup c'est plein de suggestions et tout. C'était donc les principales nouveautés donc de Snapchat, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de faire la petite mise à jour du coup, je pense que beaucoup l'ont fait déjà maintenant. Comme vous le savez tous, j'apprends à personne, hein, la mise à jour est disponible, hein, sur Snapchat, il n'y a aucun souci, vous pouvez la faire. Vous serez normalement tous compatibles. Bien évidemment, c'est sur Android et iOS. Hein, ça sert à rien que je vous donne le lien en description. Donc voilà, n'oubliez pas donc de mettre un énorme mini pouce en l'air. N'oubliez pas donc de mettre votre petit avis en commentaire, cela est très important et très utile. Je les lis tous et j'y réponds tous. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah bah si, bah oui, abonnez-vous. Allez, kiss.